J'interviens au nom du mécanisme de la société civile et des peuples autochtones pour lequel renforcer l'application des résultats du mécanisme du CSA est une question fondamentale. Je présenterai ensuite un cas concret au niveau national qui illustre bien beaucoup de nos messages clés. Je suis Bania Jibo. Je suis le président de la plateforme paysanne du Niger qui regroupe 13 pétières dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'agroforesterie et de la transformation. Et je suis en même temps conseiller du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest qui couvre 15 pays de l'espace CEDEAO. Alors, pour le cas du Niger que je vais vous présenter, le Niger est un pays vaste. Ça fait 1 267 000 km². Nous faisons face à un changement climatique. Les effets liés au changement climatique, on les vit chaque jour. Et c'est pour cela que très tôt, le Niger a mis en place ce qu'on appelle le Code du rural, des principes d'orientation. Et après 20 ans de mise en œuvre, l'État du Niger a décidé de faire un bilan de 20 ans de mise en œuvre du Code du rural. Et l'État du Niger a mis en place un comité multi-acteurs. Dedans, vous allez retrouver les représentants de l'État, les organisations de la société civile, les chercheurs, le secteur privé, les partenaires au développement. En tout cas, tout le monde était impliqué dans ce comité national. Et ce comité national a pu, en tout cas, jouer un rôle déterminant en créant un espace de dialogue. Mais pour aller vers la politique foncière même qu'on a adoptée, nous avons utilisé les directives volontaires du CSA pour orienter notre travail, étant donné que déjà au niveau du CSA, les directives volontaires ont été un consensus pour l'ensemble des États et pour l'ensemble des organisations de la société civile. Donc ce qui a rendu le travail très facile pour nous, parce que c'est un travail déjà qui a été accepté, parce que d'abord, il permet de partager des expériences. Les directives reconnaissent le rôle primaire des exploitations familiales. Les directives fournissent des principes clairs à respecter basés sur les droits humains et une feuille de route pour le travail. Maintenant, qu'est-ce que nous avons obtenu dans ce processus-là? D'abord, le premier travail, c'est que on a eu une forte implication de l'ensemble des acteurs. Nous avons pu faire des exercices sur l'ensemble des 8 régions du Niger. Nous avons impliqué les exploitations familiales et on leur a donné la possibilité d'influencer les décisions pour prendre en compte les préoccupations des petits producteurs. Et nous avons enfin, en 2021, adopté une politique foncière rurale. Nous avons mis en place un comité, un consortium de la société civile. Et nous avons pu obtenir aussi un cadre de concertation pour les PTF qui avaient comme liste des Maintenant, quelles sont les leçons apprises? Pour nous, la participation des acteurs les plus concernés doit être assurée à travers tout le processus de la négociation jusqu'à la mise en œuvre. La participation des paysans, les pasteurs, les femmes et les jeunes a fait la différence puisque ça a permis non seulement de renforcer leur capacité, mais également, ça a permis de prendre en compte les préoccupations des différentes régions. Maintenant, en termes de problèmes, le premier problème, c'est la cohérence. Nous avons, parce que le gouvernement doit jouer un rôle pour éviter qu'il y ait des multiples initiatives, soit par les partenaires, soit par les ONG. Alors, donc, si l'État, s'il fait le lit, ça permet de cadrer l'ensemble des intervenants. Le deuxième élément, le rôle de la FAO en tant que conseiller technique de nos gouvernements peut encadrer, et c'est ce qu'il a fait, il a permis de mettre en place les partenaires techniques autour du GIZ, non seulement pour donner leur opinion, mais pour avoir des soutiens financiers cohérents. L'autre leçon que nous avons pu tirer, c'est que les financements des politiques ne doivent pas relever seulement des financements extérieurs. Il faut que les États aussi mettent des ressources pour véritablement défendre ces politiques-là, mais pour soutenir la mise en œuvre
de ces financements. Donc, les financements ne doivent pas être seulement des financements extérieurs. Il faut que l'État aussi mette les moyens pour qu'on ait des politiques. L'autre élément, c'est la nécessité d'avoir une bonne stratégie de communication pour accompagner la mise en œuvre des produits qui servent à surtout pour atteindre les populations sur le terrain. Et l'autre élément, c'est de ne pas oublier aujourd'hui des questions d'insécurité, mais surtout la nécessité de paix qui est en tout cas la part de l'ensemble du processus. Voilà ce que je tenais à dire, mais je rappelle.